to your favorite modern world. Après Voyager, on repart au pays des kangourous pour découvrir le groupe Polaris et son dernier album, Fatalisme. Le quintet de metalcore australien œuvre depuis 2012 avec seulement 3 albums studio à leur actif. The Mortal Coil en 2017, The Death of Me en 2020, Fatalisme l'an passé, sans parler de leurs 2 EP en 2015 puis 2016. En fait, de metalcore, Fatalisme joue plutôt dans la cour du métal progressif, malgré une fâcheuse tendance à crier très 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 fort. C'est la pochette en trichromie qui m'a tout d'abord interpellé. Des silhouettes d'hommes progressent péniblement dans la neige, suivant leur leader qui s'avance vers le précipice, brandissant un fumigène écarlate. Fatalisme est formaté comme un album commercial. 11 titres radio pour 3 quarts d'heure de tabassage. Car si les morceaux possèdent un je ne sais quoi de très accessible par moment, avec des refrains accrocheurs et des passages mélodiques, ça n'en reste pas moins très métal comme dans Inhuman ou Parasite. Les guitares donnent des coups de boutoir pour appuyer une batterie sèche comme une trique, alors que le chant écartelé s'apparente à une séance de torture. Alors bon, si vous n'aimez pas le métal, ça risque de piquer un peu. Overflow, au clavier très électro, au chant sage et au refrain commercial, fait figure de douceur ici, même si Jake gueule un peu de temps en temps. Même chose pour Crossfire, qui, malgré une rythmique bien dense et pas mal de hurlements, possède une écriture très accessible qui pourrait séduire les ménagères faisant leurs courses. Oula, je précise tout de même ici, pour calmer toutes les accusations de sexisme, qu'à la maison, c'est moi qui fais les courses, le ménage, les poubelles et le reste. Bref. Et que dire de Aftertouch ? Le slow de l'album, parfait pour emballer une gothique au Hellfest. Un titre qui commence de manière suave et qui se poursuit dans les hurlements. Polaris joue d'une musique schizophrène à souhait, technique, violente et chargée d'émotions contradictoires. Le genre de truc qui me fait grimper au rideau et réduit ma consommation de tranquillisants. Je ne peux que vous recommander ce magnifique album. Il est disponible sur Bandcamp pour vous en faire une petite idée avant de vous jeter de la falaise. Bonne écoute, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle découverte. Et comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique. Et si vous voulez suivre les prochaines, abonnez-vous. Bisous !